déguster ensemble ce Saint-Julien 2016 Château du Glanat. On a un nez qui est ouvert, expressif, marqué par les épices douces, un nez fruité. À la dégustation, on retrouve un vin qui est puissant, fruité, avec des tanins mesurés. C'est un vin qu'il faudra ouvrir si possible une petite heure à l'avance. On pourra le déguster avec un filet de bœuf grillé par exemple, également avec un civet ou du gibier à plumes. Je vous souhaite une très bonne dégustation.